Olivier, bonjour. Bonjour. C'est à cause de toi un peu qu'on est là. Oh, pas beaucoup, hein. C'est juste une idée comme ça. Une idée comme ça. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas ici sur le territoire? Bien sûr, donc Olivier Cressman, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le président de l'association Digital Festival Tahiti et je suis également PDG d'une société dans le digital qui est plutôt dans la partie gestion d'entreprise et collaborative. Alors, pour cette édition du Digital Festival, combien de participants, combien de visiteurs déjà, tu as des chiffres? Bien sûr, participants, c'est 80 exposants, ouais. Et une trentaine d'intervenants au niveau des smart meetings et des keynotes, dont 40 intervenants extérieurs. Donc on est très très fiers de ça. En fréquentation, l'année dernière, on avait un chiffre à 2000 personnes qui étaient venues, mais en fait, c'était bien plus que ça, parce que c'est le chiffre qu'on avait des lectures de code-barres, et en fait, tout le monde n'a pas été forcément moi, par lu, exemple. Par exemple, alors, on était 2001. Mauvais élève. Et cette année, on est déjà sur une tendance, on va être à plus de 3000 personnes qui seront là. Une grosse affluence, bah, l'inauguration, déjà 500 personnes présentes, c'était tout à fait particulier. Et puis là, on voit, ça bouge beaucoup, les écoles qui viennent, des jeunes, des enseignants, c'est très bien. Et les élèves qui disent, c'est nos métiers de demain. Donc on veut être là, pas pour voir de casque virtuel ou de la tech spéciale, jouer, on veut être voir des nouveaux métiers. Alors ça c'est sur la forme, sur le contenu, on évolue aussi du digital vers le Tech for Island. Voilà, alors sur le contenu, l'histoire elle est très simple. Les deux années qui ont passé nous ont permis de montrer à la population polynésienne dans quel domaine s'appliquait la révolution digitale qu'on vivait tous. Donc on a parlé de réalité augmentée, on a parlé de data, on a parlé de plein de choses, techno. Ouais. Et puis les invités que nous avions, notamment des gens comme Stéphane Distinguin et la Grande École du Numérique, nous ont sensibilisés sur la démarche, aussi parce qu'on la voyait, Tech for Good, qui était cette démarche d'être vigilant sur l'impact de l'innovation sur l'environnement, sur l'environnemental et les sociétales. Et nous, notre réflexion, ça a été de se dire, oui mais c'est super de penser ça au niveau de la planète, mais nous, insulaires, on a des problématiques qui sont bien différentes de celles de la ville de Maubeuge, comme dirait notre ami Johnny, ou d'autres villes ou d'autres régions, continents. Et on s'est dit, si on ne prend pas ça en main, nous, sur la problématique des Tech for Island, notre problématique de réponse à des solutions techno, personne ne le fera. Et c'est comme ça qu'est née la vision et la dynamique Tech for Island, de se dire, eh ben on veut quelque chose, on va faire quelque chose qui va être pour promouvoir, innover, propulser des solutions technologiques à l'international. Évidemment, pas seulement lié de la concernant la Polynésie. En fait, faire quelque chose qui soit une bannière dans laquelle tous les États insulaires vont se reconnaître et se dire ben, ce qu'il y a derrière tout ça, les solutions technologiques modernes qu'il y a, elles répondent à mes attentes, que ce soit dans le domaine l'environnement, le sociétal, l'éducation, la santé et bien sûr les climats. On est à la troisième édition, si oui. Je compte bien. Hein, on est déjà à la troisième édition. Est-ce que tu vois que ces éditions-là ont un impact sur ton travail au quotidien, sur l'écosystème techno ici? Oui, on c'est voit. Trop tôt, ou tu vois, t'as des choses concrètes? Non, on voit des choses concrètes qui se passent et qui ne font pas de bruit. Pour moi, le premier exemple, c'est la synergie qui se fait entre des acteurs locaux et des grands acteurs nationaux. Vous avez le cas, par exemple, de l'école Poly3D, dont on s'était dit, oui, c'est un truc qui fait pour faire des jeux. Eh ben non. C'est pas que ça, c'est de la créa avec le digital et ils travaillent en collaboration avec une entreprise qui est à Paris, qui traite des contrats pour des grandes maisons, par exemple Coca-Cola. Et aujourd'hui, cette société en France fait venir des stagiaires de Poly3D chez lui et confie des contrats de réalisation à Poly3D pour le compte de ses clients. Donc il y a une vraie transmission qui s'est faite. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la convergence bien sûr de tout le monde vers un sujet qui est Smart Tech for Island, mais c'est aussi la façon par laquelle on est capable de regarder ce qui se fait ailleurs et répondre en fait à une démarche. La vraie innovation en Polynésie, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas ce qu'on fait de nouveau ici, c'est ce qui se fait de nouveau à l'extérieur et qu'on est capable d'amener ici et de créer du mouvement pour que localement aussi, on puisse prendre de la compétence sur le sujet. D'accord. Alors j'ai une question que je pose à la dernière question, que je pose à tous les intervenants de la Web TV. Si tu avais un message pour les jeunes dans les îles, ça serait lequel là? Oh, dans les îles, c'est leur dire gardez confiance. Le haut débit, eh ben, il arrive chez vous. Ça veut dire que vous avez accès à la capacité de faire des choses depuis chez vous, dans les technologies modernes, grâce aussi à des acteurs locaux qui peuvent vous apprendre à monter en compétence là-dessus.
on est à l'université, c'est pas par hasard. Il y a bien sûr tout un réseau de gens qui existent pour permettre à nos jeunes d'apprendre des nouveaux métiers. Et surtout vous dire, ben, vous voyez, avec tout ce qui se fait comme solution Tech for Island, vous êtes concerné dans les îles, évidemment, et presque plus encore que les grandes îles comme nous, sachez que ce sont des nouveaux métiers qui sont pour vous, et des nouveaux métiers qui utilisent le digital. Quand on parle de nouveaux métiers derrière tout ça, c'est pas forcément que de la techno, c'est aussi des services, et beaucoup de services, et ces services-là, ils sont pour vous avec les outils qu'on vous propose. Eh bien merci, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Probablement, oui, sûrement. Probablement. À la prochaine. À la prochaine.